exceptionnel beaucoup de temps. La limite, au bisabino, n'y a pas. Premier roi 2, 22, le roi Salomon répondit à sa mère. Comment Salomon a galoré? Pourquoi demande-t-il à Abishai la synamite pour adonner Jean? Pourquoi c'est à Abishai, moi, si à synamite, pour adonner Jean? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné. Car si c'est un des. Donc, si vous avez dit Azali, il y a un que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Ok. Madame, je vais partir vite. Je pouvais avoir 45 minutes. Beaucoup de la méthode. Mais je ne veux pas vous emmener jusqu'à 45 minutes. Parce que le temps nous est vraiment parti. La Corée, mais ça peut nous déboîter pour organiser qui? En un mot, nous avons compris de ce société. Ici, il est question du testament de David. Ah oui, ça, les Kamboya, Malobaya, Mowé a commis la Mukanda. Les paroles du testament. Maloba, Oyo Mowé a commis la Mukanda. C'est-à-dire Salomon, bien qu'il est devenu roi. Et l'objet de Salomon a attaqué comment dit Kumu? Mais il doit user la sagesse pour venger. On venge pas Joab n'importe comment. Il faut la sagesse et la vengeance. Et nous avons compris. J'aimerais que vous me suivez avec beaucoup d'attention. Parce que je ne serai pas long. Salomon aujourd'hui c'est la continuité de l'œuvre de David. Salomon a Azali Bokobi à Mosala. Je dois rappeler au ministre de la parole, aux serviteurs de Dieu, au peuple, parce que je disais que le problème de la lèpre ne concernait pas seulement les sacrificateurs. Bien que ce sont eux qui pouvaient se décider, mais le peuple était enseigné aussi sur la plaie de la lèpre. Il pouvait aussi distinguer c'est-à-dire que la vengeance sur Joab, c'est pas seulement pour le ministre de la parole, mais ça concerne tout celui qui est appelé pour entrer dans le royaume de David et pour assurer la continuité de ce royaume. Alors suivez-moi, nous avons compris. Quand David explique à Salomon, l'ennemi qui était proche, vous êtes? Avançons un peu. Je vais revenir là parce que je ne serai plus long. Vérifions premier roi chapitre 1, s'il vous plaît. Premier roi chapitre 11. Ça va nous aider, s'il vous plaît. Je commence la lecture à partir du verset 14. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon. Yahweh a Talisaki Mokuna Mokepana Salomon. Adat, les domites de la race royale de Dov. Motona libota ya bokontinendo. Dans le temps où David bâtit Edom, na tango David a bâti Edom. Je m'arrête là. La soukiwana. Je descends. La kiti. Directement, je prends. Malamoko na suit. 23. Tanatana tout pour m'aller la misato. Dieu suscita un autre ennemi à Salomon. Yahweh a bimi sa kili susu. Monguna mon susu pas à Salomon. Raison. Raison. C'est pas vrai. Les assolotés. On avance. Verset 26. Jéroboam aussi serviteur de Salomon leva la main contre le roi. Jéroboam le père Isusu, Mosani na Salomon a tombé la kilo boko. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Je veux que Dieu nous aide à comprendre ces secrets. David dit. David a dit. Salomon attention. Le bon assalam
il y a un joie. Et ça, tu dois avoir la sagesse et ce que nous avons pour le manger. Mais curieusement, David n'a pas indiqué tous les ennemis à Salomon. David a tangé la vie Salomon à Bangoula de Sauté. Il y a les autres ennemis que Salomon lui-même va découvrir dans la marche. Mais ces ennemis ont existé au temps de David. Zokande Bangoula wana bazalaka la tangula David. Qui gardait la rancune de David. Oye babomba ki koyina la mitema. Qui avait la haine de David. Oye bazalaki na koyina likola David. Mais kasi dans le testament, na mokande amoi dans la recommandation, na mitindo, il ne montre pas tous les ennemis. Ye atali si Bangoula ni osote. Mais ces ennemis existaient. Salomon doit combattre chaque ennemi. Salomon a essayé à Bundisa Bunguna Moko na Moko pour assurer son royaume. Prête à baisser les liens à Bokotinaï. Mais comment est-ce qu'il a mangé Joab? Joab m'a béni. Je cours rapidement. Il est devenu roi. A comme Kourou, Joab existait. Joab a salé. Il ne pouvait pas prendre les paix directement. Mais dans son cœur, il avait la vengeance. Mais cette vengeance ne pouvait pas être manifestée. Il attendait le temps. Parce qu'il était question de la femme. Adonisha, avec son associé, Joab. Parce que Adonisha, politique. C'est-à-dire que dans Adonija, il y a la royauté, il y avait aussi un sacrificateur qui soutenait Adonija, il y avait aussi le chef de l'armée. Donc pour dominer, Adonija avait besoin de la coalition de ces trois puissances. Adonija, religion, il y a le sang. Puissance militaire, Nguya et Mampinga, et politique. Paix et Mulamatan. Mais quelle que soit cette association, Nathan n'était pas là. Nathan, c'est là qu'il a gâté la parole. Nathan, c'est le prophète. Nathan, c'est l'enseignement. Nathan, c'est la parole. Nathan, c'est ce que les gens peuvent faire. Si l'enseignement n'est pas d'accord avec lui, c'est la tour de Babel qui va se brûler. Ils peuvent avoir aussi les sacrificateurs. La religion, la politique, vous voyez ça? Maintenant, parce qu'il y a un roi qui règne, le corps là, ils ont usé la ruse. Demandons la femme. Parce que c'est la femme, je dis que c'était par la femme. Et ça là qui m'est dans la voici. Devait récupérer le royaume. Ils ont su compris. Il faut utiliser la femme. Et je bénis beaucoup le Seigneur. Parce que Salomon n'acceptera pas que la Sénamite soit touchée. Si on touche la Sénamite, son royaume est touché. Et on continue à s'y battre. Et quand il s'est préparé, aujourd'hui, il y a des coalitions, Mais quand Dieu verra que son peuple est en danger, il sortira de paix et l'église sera épargnée. C'est-à-dire en réalité, la femme ne sera pas touchée. C'est-à-dire que Salomon doit garder. Ça sera aussi la fin des jours. Et vous allez faire souk à la joie. C'est-à-dire, et là, qui dit, David a parlé de la sagesse. David a l'homme qui l'a tiré la moigne. Mais comment est-ce que Joab a été vengé? Car si Nengen va sortir de Joab, ma belle, par le peu. Et ça, il a tiré la moigne. Il a cette sagesse. Et là, qui dit, la carte de la moigne. Il avait le peu. Mon père, il a été vengé.
Je vous prêche dans l'amour, dans bolingo. Celui qui refuse l'enseignement, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils. Quiconque croira, vous voyez, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, sera condamné. C'est-à-dire, dans cet amour, il y a aussi le péché. C'est comme si on ne m'a pas bien compris. Je voulais mettre une balustrade sur la sagesse. Dans la sagesse, il y a aussi le jugement. Il y a l'amour. Mais Joab, pour être vengé, Salomon a utilisé la sagesse. C'est là où je suis allé insister. Pour venger Joab, il faut la sagesse. Mais comment est-ce que Salomon a mangé? Devant des menaces, devant des combats, Salomon était un homme équilibré. Parce que dans la sagesse, il y a la douceur, il y a la patience. Pourquoi nous échouons? Pourquoi on ne venge pas bien Joab? Parce que on ne comprend pas comment combattre. Pour combattre, il faut la sagesse. Voilà les secrets de Salomon. Je parle vite. David est là. Salomon ici. Il écoutait David. Ayoka qui David. Combien de gens restent dans la présence du Seigneur? Combien de personnes? Combien de temps? Il y a des pasteurs qui ne prient pas 2 heures. Et ça ne m'a pas dit, mais ça me rendait pas dans mon bain. Qui dort à la maison du 1er janvier au 31. Qui mange du 1er janvier au 31. Les jours de jeûne, c'est l'estomac. C'est l'attention. Quand vous ne restez pas dans la présence de David, comment vous saurez l'ennemi et l'évêque? Aujourd'hui. Comment Satan a pas peur de Jésus? J'aime la réponse de Jésus. Pierre, je l'ai chassé. Pour qu'il ne t'écrive pas. C'est comme ça. La présence de David, l'intimité, nous permettra de bien venger les ennemis. Nous avons des grâces, des capacités. Je fais un enseignement sexuel. Les gens sont venus à la fin. Zéro convertie. Peut-être n'a pas prêché comme ça. La terre qui m'a dit la prêcher. T'as mon père la terre la prédication. Le cœur des gens touche. Parce que la présence du Seigneur. Là est le pied. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle direction? Pourquoi nous échouons? Je prêche. La terre à Kamala, mais ça produit quoi? Parce que c'est ce vous avez
avance là. L'église est ce qu'il a les mots. Mais regardez, qu'est-ce qu'il a battu non? Les ennemis se multiplient. Mais Mouna va se faire qu'à. Je termine. Je vais plus continuer. Vous savez, c'est la vie. Si Salomon était capable de vaincre l'ennemi qui l'empêchait d'avancer dans le royaume parce qu'il était à l'intimité avec David. Je veux voir les pasteurs qui passent beaucoup du temps dans la présence du Seigneur, qui est beaucoup du temps dans le match parce que j'ai vu beaucoup de gens. Pasteur, arrête. L'enseignement parce que Real va jouer Barcelone. Il faut chercher la délivrance aujourd'hui. Ce qui Salomon a, il y a quelqu'un qui dit bonsoir au prêtre à Salah qui n'a pas l'eau qu'il n'a pas l'eau. La Seigneur est le roi de Tibet et de Papate, Bazala, la Boyoka, la Boko, la Zambé, vous savez de Baloka. Faites de Papate, le mini, le roi, pas de Bissamon, mini, la bas, match, ma commande. On arrête le culte parce que ma zèle peut pas jouer. Quand il y a un sac, vous faites de ma zèle, vous faites de la Boko. Le pasteur fait aussi le débat avec le fidèle. Toi, fais-moi battre la masse. Tu auras le temps de vaincre comment? Parce que tu as des ennemis. Les gens qui viennent dans l'église, il y a des sorciers qui viennent. Il y a des gens qui viendront pour vous décourager, pour vous combattre. Vous avez besoin de la stabilité spirituelle pour vaincre les ennemis. Sans cela, on va pleurer aujourd'hui, on pleurera demain. Vous allez mourir comme ça parce que ça ne fera rien à Dieu. Parce que vous n'avez pas cherché l'intimité avec lui. Il n'y a que l'intimité qui nous permettra de bien combattre. Je vais vous dire, frère, Dieu ne bénit pas par des milliers. Le millier ne bénit pas. Tu peux aller en Angola, tu ne trouves rien. Tu peux aller en Europe, tu ne trouves rien. Mais Dieu peut susciter des gens dans n'importe quel millier pour te bénir, pour te lever, pour accomplir la parole qu'il a mise à vous. On a prêché. Un pasteur me dit bon. On va te battre mon gars. On va passer s'il n'y a pas l'argent. Donc là, on a mon beau visage. Moi, je reste là. Là, la tigale. Il est parti le matin. Il y a quelqu'un qui l'a tombé. Le lendemain, moi, je te bénis. N'a pas quoi, n'a pas bambou les gars. C'est que Dieu l'a chassé. N'a pas donné ça, mais là, les gars, parce que Dieu voit le cœur. Attends, la montée me sente le cœur. Attends, la montée moi. Vengeance de Shoah. Ton sang qui s'est rajouté ma mère. Pour venger Shoah. Oui, ton sang qui s'est rajouté ma mère. Tu as des biens à temps. Les Seigneurs, yo, Kanzan de madame. Comprendre David. Ton sang sur la table de madame. Pour utiliser l'épée. Pour être un manuel, mon papa. Pour utiliser la sagesse. Pour la consacrer là. Bonne. Est-ce qu'on est comprend? Bonne, tu vas sur la main. Si aujourd'hui dans des églises. Ce qui est passé dans cette église. Du mot des. Chez les mamans, il y a les agents. Tu passes ton temps inutilement. J'ai toujours dit, la personne qui vient te raconter, on a parlé mal de toi. Qu'est-ce qu'elle a raconté à ces gens? Parce que si moi je suis bien avec tout le monde. Parler de pasteur Toumba 3 heures du temps à côté de moi parce qu'il sait que je suis bien avec lui. Mais quand il parle calmement, il a trouvé quel accès. Et vous allez pas distraction. Un problème. Je peux continuer. Je peux continuer. Beaucoup de gens ont une capacité inexploitée. À cause de la distraction. Pour être qui dit pas, et c'est la question de connaître tes faiblesses. Il y aura toujours des gens qui vont te critiquer. Et vous allez la bateau pour critiquer ta femme, critiquer ta maison, critiquer tes enfants, pour que tu sois découragé. Pour être yon de matoto. On a vu des pasteurs comme ça. Tout le monde a battu papa de la chair. Allez, qui est furieux. Vous avez parlé mal de moi. Il est combat des esprits. C'est le combat des esprits. Tu peux chasser les gens dans l'église. Les nouveaux qui viennent, les démons vont toujours rentrer pour nous combattre. On a besoin de l'intimité pour vaincre les ennemis. Vous m'entendez?
Alobina Balaama, quitte ton pays. Et de biman à mon va. Keta. Mais il dit à Agar, quand ça revient à Agar, retourne là où tu es. Songa biba yota. Le même Dieu. Nzambe kaka moko. Le déplacement. Ko ningana. Ne dépend pas de nous. Yango et la ni sama la personne côté. Kasi yango la ni sama ke pala nzambe. Nous avons besoin. Soka ne biso tuka ko sema. L'intimité. Yango yoka ni pour bien frapper. Pour être tombé ta joie de malam. Je vais enseigner. La toki côté. Les 70 semaines, c'est bien. Basa basa. Je les enseigne. Baposo. Je peux enseigner tout c'est bien. Na ke côté amati ano sora. Mais si je ne suis pas ensemble avec David. Kasi soki na zé si kamo côté na David. Le diable a suscité des distractions. Je vous dis, le pasteur Zeroël, il est à l'internet. Bonjour. 4 heures, bonjour. 4 heures, bonjour. 6, bonjour. Bonjour. La papa n'a pas l'idée. Ils ne vous diront rien. Il est à Colombelo côté. Ces gens-là ne vous diront rien. Batouana va Colombelo côté. Il n'y a pas l'état. Le diable a augmenté des distractions en distractions. Et finalement, on ne comprend plus Dieu. J'ai vu des gens multiplier des voyages missionnaires. Aussi longtemps que tu n'as pas découvert joie à tes côtés. Je peux aller en Europe. Angola. Tu peux me donner 20 000 dollars. Et 20 000 dollars. Et aussi là. Ah. C'est pas ça. La bonne vraie solution. Et il y a non, il y a chose. Tu as besoin de rester auprès de ta vie. Vous allez bosser pour dire que tu es boutique. Pour être à ta vie. Quels sont les ennemis? Les combats. Est-ce que vous passez en vrai? Vous comprenez bien ce message? Au sol, ça va. Marcher avec Dieu, c'est pas facile. Quand on a un zambé, ça peut être. Comment le but que Lazare est malade? Il ne bouge pas. Ce silence-là, pour l'interpréter, il faut être dans son intimité. Pour comprendre que s'il était venu avant, il allait guérir. C'était rien. Il fallait ce silence pour ressusciter. Afin que son nom soit connu. Dieu a des détours. Seigneur, viens. Koloyaka. Ma fille est malade. Moi, je l'ai sauvée. Abadikoya. Une femme de la perte de Jésus. Viens arrêter Jésus. Attendez Jésus. Jésus pour continuer. Jésus, c'est quelqu'un qui est là. S'arrête. Attendez-nous. Il traite le problème de la femme. Apaisez-vous. Il parlait. C'est seulement pour dire que
dans la marche. Et ça, quand on peut être dans le on va découvrir les autres combats. Il y a des combats. Et ça, il y a des combats. J'ai toujours dit, aussi longtemps que l'homme vit sur la terre, il va rencontrer toujours des combats. N'importe quelle sorte de combats. Pour le vaincre, il y a besoin de la présence du Seigneur. Et il y a besoin de la sagesse. Cherchez ce que les gens parlent de vous. Vous serez toujours blessé. Cherchez ce que si les gens m'aiment. Il y a joie, il y a adapte, il y a raison, il y a des ennemis proches. Il y a d'autres personnes, ceux qui les combattent, ce ne sont pas seulement les démons, mais c'est leur propre caractère. Je priais pour un frère. La Sambela qui va dans les combats, les gens. J'aime beaucoup. À qui la ramène? Je prie beaucoup. À Sambela, si il commence l'église. Ce qu'a demandé l'église. S'il entre dans la prière. Ce qu'a continué à mon côté. L'église devient rr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 
Ce qui va aller quand on est affaire, il faut le Bemba. Bemba. Le pasteur a des arguments plus que le fidèle. On va dire, ça va le débat. Fais même le débat. Il y a où il a un moment a dit ceci. Comment dit le Christian. Christian jamais tous les amis. Mais il peut donner les. Non, non, pasteur, donner l'information du ciel. On va dire ça, c'est que ça. Nous voulons que les hommes de Dieu rentrent dans les sacerdoces. On ne peut pas franchir Joab comme ça. L'activité. Payer les prix. Tu vas exhorter. Ça va toucher les gens. Tu vas prier. Dieu va toucher les cœurs. Ne cherche pas l'élévation par force. Ne critique pas les autres. Vrai ennemi. Mon bon ami, il y a son propre nature. Il a besoin de détruire. Il va combattre à l'extérieur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je termine mon message en vous disant, prenez ce message. Allez vaincre Joab. Ne tenez pas compte. Ne tenez pas compte de ce que tu es aujourd'hui. Tiens compte de la promesse que Dieu t'a faite. Tu vas rencontrer des difficultés. Tu vas rencontrer les épreuves. Mais les épreuves ne t'arrêteront jamais. Et n'abandonne pas. Parce que Rahab est à Jéricho. Elle attend le message du royaume. Tamar, stérile et combat. Attend le message du royaume. Marie, vierge, attend le message du royaume. Le royaume. Peut faire germer la semence. Là où il y a la stérilité. Le monde qui est tout autour de nous souffre. Souffre. Il a besoin du message du royaume. Et le message du royaume, c'est ce que tu as. Va affecter le monde avec ce message. Peu importe l'état où tu es. Je dis à Joseph dans la prison. Joseph la prison. Ne pleure pas tolérer la tique que tu as perdu. Et là-bas où vous êtes. Il y a le fenêtre qui t'attend. Même si tu as perdu quoi? Tu as perdu combien de fidèles? Tu as perdu quoi? Oublie tout cela. Prends ce message. Va avec la force. Le Seigneur va t'accompagner. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Mama, 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 mama,
Oh, yeah.
toujours dans l'échec. Donc on voyage, donc on change la stratégie, donc on perd sa raison, donc on perd sa faute dans le bateau, donc on perd sa faute dans le Noki. Mais la taille de la Bible, Daniel a dit qu'à la rotation, la combe, la reconstruction, la prière a été. A dit qu'à la rotation, la combe, la babylonienne, dans le sang, on a été. Mais il y a un exemple, monsieur, tout ça, mon cycle est mort, quand on porte tout ça qui l'a été. Combien de fois on a été crédible? Combien de fois on a été des paresseux? Quand tu voulais qu'on paye les prix, nous on a cherché les rembourses. Nous voici aujourd'hui dans la confusion. Nous voici aujourd'hui dans des questions interminables. Nous voulons trouver grâce à tes yeux. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Père. Là où il y a des manquements, comble-nous par ta grâce. S'il y a une phrase que moi, mon frère et ma soeur, nous pouvons dire, parler, prononcer cet après-midi, c'est ta grâce. Que cette grâce nous accompagne dans nos insuffisances. Nous trouverons ton grâce, nous marcherons dans la grâce. Et les nations qui nous entourent comprendront réellement que ce peuple a trouvé grâce. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame pour le Seigneur. Nous devons vous asseoir, s'il vous plaît. Dans quelques minutes, je voudrais.